J'ai eu les onglets en fin de journée quand même à 17h, donc mine de rien, plus de 200, l'air à 12 degrés fait un air frais. Moi, ma came, c'est la vitesse. Hein, et je m'attendais peut-être à une reprise plus facile. Et je vois que je m'adapte bien, mais il y a toujours mieux à faire. Eh bien, ce que je viens chercher, c'est reprise de la vision avec la vitesse. Je vois que quand ça va vite, on n'ose pas prendre certaines trajectoires parce que par peur de se sortir. Alors que dans la tête, il y a encore, on va dire, les repères. On sait où est-ce qu'il faut freiner, on sait comment faudrait rentrer. Mais on voit que le corps n'a pas tous les réflexes. Et le but, c'est de prendre ces réflexes-là. Même si la moto réagit pas comme une moto GP, c'est quand même ce qu'il y a de plus proche en termes de vitesse, de sensations pneus même, hein, au niveau des slicks, tout ça. Et la concentration, comme les conditions là, il faut faire un peu attention, il peut faire frais, du coup, c'est voilà, une bonne remise pour la tête, la concentration et les réflexes. Avec la Panigale, ce qui est pas mal, c'est il y a beaucoup de couples, donc ça reste moi quand même une moto très puissante, je pense que c'est quasiment la plus puissante des motos de route, hein. C'est quand même un 1100. Et on utilise le 1100 d'ailleurs parce que la moto a plus de couple et c'est un couple qui ressemble plus à la moto GP. Et après, le moteur est peut-être un peu plus fiable que la 1000, que la R, que la Panigale V4 R. Et donc voilà, au niveau axel, il y a toujours des sensations sur de la puissance, gérer cette puissance. Et après, je répète, hein, avoir des slicks, des Michelin, c'est pas les mêmes pneus que la moto GP, mais ça permet de faire un premier pas vers ça et c'est important parce que le tout-terrain c'est pas mal pour le physique mais clairement c'est pas du tout les mêmes réflexes ou les mêmes habitudes qu'on peut avoir sur une piste de vitesse. Eh bien elle est identique quasiment à ce que j'avais l'année d'avant. La ligne, c'est quasi obligatoire. Pas sur ce genre de piste à Carthagène, parce que c'est une piste où on ne met même pas la sixième. Du coup, on ne pousse pas le moteur à fond. Et on pourrait rouler avec la ligne d'origine. Mais d'avoir la ligne Acra sur les grands circuits comme Barcelone, où on dépasse les 300, la ligne d'origine, avec toutes les chicanes pour l'homologation, peut avoir tendance à se casser. Et c'est pour ça qu'on utilise en fait la ligne. Mais mine de rien, en fait, quand on se rend compte, on passe de la ligne d'origine à la ligne Acra, on gagne aussi du poids, donc toujours un peu plus d'aisance sur la performance. Et le frein arrière à la main, ouais, j'avais essayé, c'était un gros montage. Il y avait un mécano de chez Ducati, j'avais amené la moto à Borgo Panigale, et il a mis toute la journée pour réussir à monter ça, parce que c'était vraiment un peu une prise de tête, il n'y avait pas beaucoup de place. Et en fait, avec l'expérience, je vois que je m'en suis pas beaucoup servi. Et même sur la moto GP, en fait, je suis pas allé vers ça. J'arrive à faire autrement avec le pied. Et c'est pour ça que là, sur le modèle, quand j'ai changé de moto, eh bien, en changeant de moto, j'ai pas redemandé le frein arrière à la main. Et au niveau de la fourche, entre la fourche de la V4S et la V4R, ils ont mis la fourche de la V4R en disant qu'elle était un peu plus performante. J'ai eu du mal à sentir la différence. Et pour passer le cap au niveau de la fourche, il a surtout fallu changer les ressorts. Donc on va dire que ça reste une très bonne fourche d'origine avec des ressorts plus solides pour faire des beaux freinages. Exactement, parce que c'est vrai, quand on regarde, on pourrait penser que c'est la même moto. Et là, quand il y a de plus en plus de pilotes qui viennent rouler sur des motos de route, et là, le coéquipier, quand on voit qu'on a les mêmes motos, qu'on peut se ressouiller, mais qui va plus vite que moi, ben, il y a le côté compétition et ça crée, disons, des tensions, ça me stresse. C'est là où il faut réussir à prendre de la distance parce qu'en effet, quand on regarde bien, c'est pas pareil, on ne sait pas vraiment ce qu'il peut avoir en suspension. On voit déjà que la moto est plus légère. Moi, je suis vraiment très typé d'origine parce que j'ai attaqué comme ça, en fait, sans mécano. Juste des personnes qui m'aident à bouger les roues, à monter les roues, mais c'est pas vraiment du technicien. Et de plus en plus de pilotes qui se prennent au jeu, c'est là où il faut réussir à prendre son outil de travail et pouvoir faire au mieux sans trop regarder le chrono. Mais le chrono, ça reste une bonne référence. Donc c'est pas simple à gérer. Peut-être à force de s'entraîner, selon les sensations que j'ai besoin sur la moto,
même pour travailler les sensations au plus proche du MotoGP, ça peut être intéressant de passer des caps un peu au niveau suspension, parce que je pense que c'est la chose qui permettra de pouvoir copier les gestes du MotoGP. Oui, ils sont très très performants et je peux voir en fait, on peut sentir avoir des sensations différentes par rapport aux pneus MotoGP. Mais je me suis rendu compte quand tu vois les autres pilotes rouler comme Banaya ou même Martin, tu vois qu'en fait quand tu es bien ou que la moto sans doute elle est bien équilibrée, tu peux presque répéter les mêmes gestes que sur la MotoGP. Et c'est là où en fait on pense avoir une sensation sur les pneus et c'est peut-être pas la vraie sensation alors qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux en pilotage. Et moi ça sera on va dire beaucoup un travail sur le pneu avant. Et réussir à faire travailler sur le pneu avant pour enfin, le faire travailler de bonne manière parce qu'il faut aller vite en même temps. Et maintenant, même sur le pneu arrière, Michelin nous fournit des pneus endurance et pour en fait assurer une constance, quoi, pour au moins taper 30 tours dessus et pas s'embêter, enfin, avoir de bonnes sensations parce qu'il peut y avoir des pneus où on est bien sur 8 tours et après on galère et là après c'est presque course à l'armement à changer des pneus tous les 10 tours. 30 tours avec un pneu, c'est pas mal. Et c'est pas des pneus qui ont un grip énorme. Il y avait des pneus avant Michelin qui avaient beaucoup de grip sur l'angle. Maintenant, ceux de l'endurance, ils n'ont pas un grip énorme sur l'angle. Mais finalement, la MotoGP a tellement de puissance qu'elle n'a pas tellement de grip sur l'angle non plus, quoi. Il faut savoir gérer. Donc voilà, ça fait toujours des réflexes pas similaires, mais on peut trouver des ressemblances. Ouais, entre les essais de GRS et maintenant, il y a eu en fait, une première déconnexion, disons moto, parce que c'est fait de ne plus monter sur la moto GP, on sent que le corps il relâche d'une première étape. Et là, j'ai eu beaucoup de choses à faire en pro, quoi, en com, pour des partenaires, pour des médias. Et ça prend de l'énergie, mais on ne fait pas de physique à côté. Et ensuite, il y a eu la pause, donc je n'ai pas fait grand-chose en physique. Pour essayer de reposer, en fait, de faire une vraie coupure. Et la reprise, ça a été janvier, en fait, avec du sport normal, on va dire. Hein. C'est de la course à pied, c'est du renfort gainage, un peu de muscu, du vélo. Quand je peux, j'aime bien faire de la boxe. Ça, c'est très, très complet. Et en même temps, ça, l'activité moto. Donc, voilà, sur la pause, avant les fêtes, je restais actif, hein. Je suis allé courir assez souvent, j'ai continué à faire du VTT, mais c'était vraiment du pur plaisir, sans aller trop s'y filer. Et après, il y a eu une vraie coupure sport où mon corps n'était plus vraiment celui d'un athlète. Le naturel du pilote, ça sera toujours un peu le chrono, la perf. Et là où il faut avoir du recul, c'est se dire même si je ne suis pas dans les meilleurs chronos, mine de rien, le cerveau et le corps enregistrent et prennent des habitudes à haute vitesse, on va dire. Donc il faut aller trouver un peu plus de régularité et essayer d'enchaîner à chaque fois 8-10 tours dans le même chrono, pour pas sur un faux rythme, hein. Moi, j'ai l'impression des fois peut-être que c'est un faux rythme, mais c'est là où il faut se dire non, c'est peut-être pas un faux rythme, tu fais au mieux avec ce que tu as. Et déjà, rien que ça, c'est ton corps emmagasine beaucoup d'informations. En Barcelone, c'est très intéressant, mais c'est là où on se rend compte qu'il faut une moto encore meilleure parce que, en fait, quand on pousse une panigale à fond, on y sent plus la limite et on lui fait très mal à la moto. Une petite piste, on va dire, comme Cartagène, il y a beaucoup à travailler en pilotage, par exemple sur le train avant, sur des freinages sur l'angle, où ça, c'est purement technique, je dirais, technique pilotage. Et comme la moto, le circuit n'est pas assez grand pour la pousser à fond, et au niveau moteur et au niveau frein, on use moins la moto. Donc, on va dire, pour faire des gammes, c'est beaucoup mieux une piste comme ça parce qu'on peut faire toute une journée sans flinguer le matériel. Alors que Barcelone, au bout de 10 tours, déjà on peut changer les plaquettes et le moteur, on sent qu'on lui fait mal. Mmh.
Oui, c'est une bonne chose. Après, là, c'est plutôt Martine et moi qui. On est l'exemple hein, pour d'autres pilotes ou même comme Acosta, parce qu'Acosta, c'est un petit jeune qui fait de la folie en moto 3, qui va être très bon en moto 2, et là, qui a pris de l'entraînement en direct avec une R1 et qui soude avec une R1. Du coup, on voit le pilote très doué, mais là, c'est plus lui qui a tendance à nous regarder que l'inverse. Mais. Ce qui est beau en Espagne, là, c'est Xavi Forès qui a organisé ça, une journée de roulage où il n'y a que des pilotes. Et du coup, la piste, elle est ouverte 10h-14h, 15h-18h. Donc, il n'y a pas de session, on roule quand on veut, mais on peut rouler quand on veut parce qu'en fait, il n'y a que des bons pilotes sur la piste. Du coup, on n'est jamais gêné. Et les pilotes qu'on double, c'est des pilotes qui sont en 600, mais des pilotes 600 du mondial, quoi. Ça peut être des pilotes Moto 3 ou des pilotes Moto 2. Du coup, voilà, c'est toujours des vraies trajectoires, des vrais passages en courbe. On les double que en ligne droite, en fait. Et organiser des journées de roulage comme ça, où on a le box, tout ça, c'est vraiment bien fait et c'est un avantage. Donc, tous les pilotes, maintenant, essaient d'en profiter parce que tout le monde sent un vrai bénéfice là-dessus. Content de pouvoir rouler sur la Panigale parce que c'était pas prévu sur le mois de janvier, on n'avait pas trouvé de roulage et quand on a eu cette occasion à Carthagène, ben, on a pu la prendre. Mais ensuite, là, on a à la fois la présentation du team, qui ça se fait sur 2 jours, mais finalement 2 jours sur une semaine, ça bout vite la semaine. Donc après le reste de la semaine, c'est la maison de l'entraînement. Je vais me faire un petit week-end en montagne pour représenter le film, mon film. Celui de Bernard Faux, qui va passer en salle de cinéma à Valmeigné. Donc, c'est toujours bien d'avoir son petit film sur DVD qui passe sur grand écran. C'est une bonne chose quoi, pour ce film. Et la dernière semaine, c'est un stage de neurotraining à Lyon pour développer un peu des choses au niveau des yeux, de la concentration. Donc, par exemple, cette semaine, il pourrait y avoir un stage peut-être plus de roulage. Mais là, on a envie de tester ça. Et finalement, le seul moment où on peut avoir le temps de le faire, c'est sur cette période, on va dire, off. Et après ça, en fait, départ pour la Malaisie. Ok, super. Bon, bah bonne chance pour cette saison et merci de Merci. ton temps.